بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى جد القرآن أنغي وتعاونوا على البر والتقوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dit également dans le Coran honoré, فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ça veut dire raconte-leur les histoires, puissent-ils méditer et réfléchir dessus. Donc à nouveau, on fait une bonne intention, lillahi ta'ala, dans le fait de réviser ensemble des histoires éminentes, des histoires du passé concernant les prophètes que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyés. Et aujourd'hui, on va parler de notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certes, il est celui qui a eu le plus de miracles. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les prophètes et leur a accordé à chacun d'entre eux des miracles afin de prouver aux gens qui sont véridiques dans leur prétention d'appeler les gens à l'islam. Le miracle, comme on a vu dans des cours précédents, c'est une chose extraordinaire qui advient à quelqu'un qui prétend être un prophète. Et cette chose-là extraordinaire ne peut être contrée par quelque chose qui lui est similaire ou plus fort. C'est le miracle ce qui rend incapable les non-croyants de faire ce qui est tel que cela. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète qui a eu le plus de miracles. Certains savants, ils ont dit qu'il a eu 1000 miracles, et d'autres ont dit que ces miracles ont atteint le nombre de 3000 mu'jizas. Et ça, bien sûr, c'est sans compter le miracle du Coran, le Coran honoré dont certains savants ont dit qu'il contient lui-même 60 000 miracles. En effet, entre les différentes figures de style que aucun arabe éloquent n'a jamais su reproduire, en dehors du Coran, ainsi que les informations qu'il nous délivre sur l'au-delà et sur les choses du passé, et certaines prophéties qui ont été révélées à l'époque du prophète, comme la victoire des Romains contre les Perses, avant que les Romains gagnent cette bataille, à l'époque du prophète, et plein d'autres choses, les savants ont dit que le Coran renferme en lui-même environ 60 000 miracles. Mais le Coran, dans son ensemble, est le meilleur des livres révélés que Allah Ta'ala a fait descendre, et c'est un miracle permanent. C'est le plus grand miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela même que le Hafiz al-Iraqi, il a dit dans son vers connu de poésie Arvamuha mu'jizatul Qur'ani tabqa ala ta'aqubil azmani. Ça veut dire le plus éminent des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Qur'an. Et ce miracle-là, il demeure dans la continuité des époques. C'est-à-dire que le Qur'an, c'est un miracle permanent qui restera jusqu'à la fin du monde. Et il n'y a pas eu une catégorie de miracles sans que le prophète, alayhi salatu wa salam, en ait eu une part. Et même l'imam Shafiri a dit qu'il n'y a pas un prophète qui a eu un miracle avant le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sans que le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, ait eu le même miracle ou plus que cela encore. Et donc, les prophètes antérieurs avaient des miracles dans certaines catégories particulières. Par exemple, Salih, alayhi salam, Dieu lui a accordé de faire sortir une chamelle d'un rocher. Et certains prophètes, comme Moussa, alayhi salam, Dieu lui a accordé le miracle du bâton. Et Isa, alayhi salam, Dieu lui a accordé de ressusciter les morts. Mais chaque prophète avait des miracles dans des catégories spécifiques. Quant au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a accordé des miracles dans chacune des catégories et sortes
qu'il a accordée aux prophètes antérieurs. C'est pour cela que certains savants, ils ont dit dans l'éloge du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, In kana Musa saqal asbata min hajarin, fa inna fil kaffi ma'nan laysa fil hajari. In kana Isa baral a'ma bi da'watihi, fa kam bi rahatihi qad radda min basari. Ça veut dire, si Moussa, alayhi salam, il a abreuvé l'asbat, c'est-à-dire le descendant de Banu Israël, à partir d'une pierre, alors certes, il y a dans la main une signification qui n'est pas dans la pierre. Moussa, alayhi salam, tout comme on le verra dans d'autres histoires, quand il a quitté l'Égypte avec Banu Israël, il avait un taureau avec lui qui transportait un rocher. Et à chaque fois que Banu Israël, ils avaient soif, Moussa, alayhi salam, il descendait le rocher du taureau et avec son bâton, il frappait dessus. Et il y avait 12 sources d'eau qui jaillissaient par miracle de ce rocher-là, et ils en buvaient. Et après Moussa, il remettait le rocher sur la tête du taureau, et après continuait son chemin, et à chaque fois qu'il voulait boire, il refaisait cela. Donc Moussa, alayhi salam, il abreuvait Banu Israël avec cette pierre-là durant la traversée et leur long voyage vers la Palestine. Quant au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec sa main, il a abreuvé ses compagnons. En effet, c'est rapporté dans plusieurs hadiths sahih, et c'est même une information mutawatir qu'il y a tellement de compagnons qui ont rapporté ce miracle-là que leur nombre a atteint un très grand nombre, de sorte que c'est un miracle qui est indéniable tellement sont nombreux les compagnons qui l'ont rapporté. Dans certaines occasions, ils étaient 300, et dans d'autres occasions, ils étaient 1500. Et même leur nombre dans certains hadiths ont atteint 500 personnes. Subhanallah. Parmi ces occasions extraordinaires où ce miracle s'est produit, il y a une fois, le jour de l'Hudaybiyah, où le prophète, alayhi salam, il était avec un récipient dans ses mains. C'est alors que les compagnons se sont plaints au prophète, alayhi salam, qui n'ont plus d'eau pour faire le wudu, ni pour boire, si ce n'est l'eau qui est entre les mains du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que le prophète, alayhi salam, a plongé sa main dans le récipient d'eau, et il y a de l'eau qui a surgi entre les doigts du prophète, alayhi salam, entre la chair et l'os. L'eau a jailli d'entre les doigts du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Au point que les compagnons ont bu de cette eau-là, ils ont fait les ablutions avec cette eau-là, et ça a suffi beaucoup de gens. Au point qu'il a été demandé à certains compagnons, combien étiez-vous? Ils ont dit par Allah, si on était 100 000, cette eau-là nous aurait suffi. On était 1500 personnes. Et donc c'est pour ça que certains savants ils disent wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min bayni asabi'in nabiy al-muttaba'. Ça veut dire, et la meilleure des eaux, c'est une eau qui a certes surgi d'entre les doigts du prophète qui est suivi. Masha'Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala jami'in nabiyyin, le meilleur des prophètes. Puis le poète, il a dit In kana Isa baral a'ma bi da'watihi fa kam bi rahatihi qad radda min basari. Si Isa alayhi salam, il guérissait l'aveugle de naissance avec ses invocations à Allah tabaraka wa ta'ala, alors combien de fois le prophète alayhi salam, simplement avec la paume de sa main, il a rendu la vision aux gens qui avaient perdu la vue. Et bien sûr, les miracles ne sont uniquement que par la création de Allah. Ce ne sont pas les prophètes qui créent leurs miracles, mais c'est Allah Ta'ala qui accorde cela. Et donc le prophète, alayhi salam, s'est rapporté que Qatada, fils de An-Nu'man al-Ansari, lors de la bataille de Uhud, il a été atteint à l'œil au point que son œil est sorti de son orbite et qu'il pendait comme ça par le nerf optique, au point que les compagnons ont voulu couper l'œil de Qatada, fils de An-Nu'man. Ils sont venus voir le prophète, alayhi salam, et le prophète a dit non, ne coupez pas son œil. Et le prophète, avec sa paume honorée, il a remis l'œil de Qatada, et l'œil est redevenu en bonne santé, au point qu'il voyait mieux avec son œil qui avait été replacé dans son orbite que son œil d'origine qui n'avait pas été blessé. Et ça, c'est connu de Qatada que son œil qui avait été remis dans son orbite avait une vision plus nette et plus forte que son œil qui n'avait jamais été malade, au point que si son autre œil tombait malade, eh ben l'œil que le prophète alayhi salam avait remis est resté en bonne santé et n'était pas atteint par une maladie qu'on appelait ar-ramad, où le regard se voile. Son œil qui avait été blessé voyait encore mieux que l'œil qui n'avait pas été blessé.
Ça, comme il a rapporté Al-Hakim et également Al-Bayhaqi dans Dalail al-Nubuwa. Ça, c'est parmi les grands miracles du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Fakam bi rahatihi qad radda min basari. Donc, le prophète, alayhi salam, a eu des miracles éclatants, plus que tous les autres prophètes, et aujourd'hui, inshallah, on va voir un miracle éminent et impressionnant de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Quelle est donc l'histoire de ce miracle éminent que nous allons voir aujourd'hui? Comme nous le savons, les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ne manquaient pas une seule occasion d'appeler les gens à l'islam. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wassalam, faisait de même. Et tandis qu'une fois, il était en voyage avec ses compagnons et qu'il s'était éloigné sur le chemin, c'est alors qu'au loin, ils ont vu un bédouin. Et le prophète, alayhi salam, ainsi que ses compagnons avançaient au point qu'à la fin, ils ont rattrapé ce bédouin dans la campagne. Alors le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, afin de l'appeler à l'islam, il a engagé la conversation avec ce bédouin. Il lui a dit « Aina tourid »« Où veux-tu aller? Quelle est ta destination dans ton voyage? » Et le bédouin, il a répondu « Ila ahli »« Je vais vers ma famille ». Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, Hallaka ila khair, ça veut dire, veux-tu que je t'indique un bien vers lequel tu irais? Et là, le bédouin, il a dit, Mahoua, quel est ce bien-là? Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a dit, Tashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cette parole est alors sortie de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, telle des pierres précieuses. En effet, c'est rapporté dans les hadiths que quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlait, c'est comme si de la lumière sortait de ses thanaya, c'est-à-dire de ses dents de devant. Et ses dents étaient si blanches qu'elles ressemblaient à des perles précieuses. Et donc, ce bédouin, il a dit, mais qui témoigne pour toi que tu es le messager de Allah? Et il s'est trouvé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le groupe de ses compagnons et ce bédouin, étaient au bord d'une vallée. Et en bas de la vallée, loin du prophète, alayhi salam, et de ses compagnons, se trouvait un arbre. C'est alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a montré cet arbre-là. Et il a dit, Tilka shajara, cet arbre au loin, y témoigne pour moi. Alors le prophète, alayhi salatu wa sallam, a appelé cet arbre-là, pour qu'il vienne à lui par la volonté de Allah tabaraka wa ta'ala. C'est alors qu'une chose extraordinaire se produisit. Cet arbre-là se déracina un petit peu et ses racines commencèrent à bouger dans la terre et cet arbre-là qui était loin du prophète au fond de la vallée commença à se diriger en sillonnant la terre tel un bateau qui franchissait la mer. Et cet arbre-là comme ça, en faisant des rainures dans le sol, s'est rapproché petit à petit du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en remontant la vallée du bas vers le haut et rien ne pouvait arrêter cet arbre-là d'avancer. Jusqu'à que cet arbre-là s'est posté devant le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, aux grands yeux ébahis de ce bédouin abasourdi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à l'arbre « Man ana, qui suis-je? » Et l'arbre répondit « Ashhadu annaka rasulullah » Je témoigne que tu es le messager de Allah. Et l'arbre avait répondu dans une langue arabe, littéraire et éloquente que tout le monde pouvait comprendre parmi les Arabes qui étaient avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète répéta sa question une deuxième fois et dit à l'arbre, Man ana? Et l'arbre répondit, Ashhadu annaka rasulullah. Je témoigne que tu es le messager de Allah. Et le prophète une troisième fois y répéta la question, Man ana? Et l'arbre répondit, Ashhadu annaka rasulullah, je témoigne que tu es le messager de Allah. Et cet arbre-là, après avoir témoigné trois fois pour le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, et il y avait certes en cela un soutien et un appui éminent de la part de Allah azzawajal pour confirmer la véracité des dires du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa salam, après cela, l'arbre revint à son endroit d'origine, au fond de la vallée, par la volonté de Allah Azzawajal. Et quand le bédouin vit ça, ébahi qu'il était, il dit, je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah,
Et je témoigne que Mohammed est le messager de Allah. Il prononça immédiatement l'attestation de foi, les deux témoignages en arabe, Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna Muhammadar Rasulullah. Puis il dit au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je vais repartir vers ma famille, je vais repartir vers mon peuple, et je vais tous les appeler à l'islam. Et s'il y en a qui se convertissent parmi eux, alors je les ramènerai à toi. Et si personne ne se convertit parmi eux, alors je reviendrai vers toi, ô messager de Allah, et je resterai avec toi. Subhanallah. Alhamdulillah, celui qui a guidé les gens vers l'islam. Alhamdulillah, alladhi hada ila ad-din alladhi ya'lu wa la yu'la alayh. La louange est à Allah, tabaraka wa ta'ala, celui qui guide qui il veut à l'islam, celui qui guide les gens vers la religion de vérité qui surpasse toutes les autres et dont nul ne peut la surpasser. On demande à Allah Ta'ala qu'il fasse que le Coran soit l'imam de nos cœurs et qu'on tire le son des miracles éclatants de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on le prenne comme exemple dans notre vie de tous les jours et qu'on soit rassemblés avec lui dans les hauts degrés du paradis, alayhi salatu wa salam, qu'on tire le son et que notre amour et notre glorification augmentent à chaque fois qu'on apprend davantage sur notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On se retrouve très prochainement, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, pour une nouvelle histoire éminente du passé. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على محمد أشرف المرسلين وعلى جميع النبيين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلم وأحكم